Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau... Putain, que je vous propose de découvrir entre les Saintes-Maries de la Mer, Aigues-Mortes et... Putain, j'ai bouffé le monde quoi. Putain, mais David, qu'est-ce que tu racontes? Non! Je suis plutôt bien satisfait. Donc ce sont des... pas là quand on se met. Merde, là. Il y a du mec Voilà, alors aujourd'hui le temps est particulièrement chargé sur la Camargue. Voilà. C'est pas ça que je veux dire. On protégeait notamment le sel qui était enfin vous voyez quoi, le sel, c'était du sel. On va la refaire tout de suite. Les amis arrivent. Mais putain David, aïe, putain. Qu'est-ce qu'il fait lui? Grandiose. Alors les couleurs de printemps là sont... De printemps. Dans le prochain reportage, je vais vous amener à la découverte du grand radeau situé au cœur de la Camargue, véritable tape. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire. Voilà. J'ai l'impression de me répéter là. Y'a de l'écho. Il y a environ entre 1500 et 5000 flamands qui passent leurs vacances d'hiver ici en France. Ils font pas comme leurs copains. Ils restent là, ils ont probablement pas assez gagné d'argent pour se payer un voyage en Maroc ou en Tunisie. Ça, c'est du commentaire ornitho. Attention. Et pipipi, et pipipi, et pipipi, et comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va par chez toi? Ouais, il fait beau aujourd'hui, pas trop de soleil, pipipi, pipipi, pipipi. Mais qu'est-ce qu'ils se racontent tous ces oiseaux? C'est incroyable quoi. Salut à tous, c'est Carnet de Tournage pour Carnet de Rando. Aujourd'hui nous sommes le 22 novembre 2011. Et j'allais dire, et il est 16h. Aujourd'hui, 22 novembre, j'ai fait une petite sortie. Ça t'est un peu à ta peau. Et c'est un fabuleux lieu de... Non, mais enfin, tout de suite. Ouais. Donc ce bouquin, le voici. C'est celui-ci. Oh la vache, c'est le dénivelé de la journée là. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire. Je vous propose d'enchaîner et de continuer à regarder la suite qui va se dérouler prochainement dans un nouveau reportage toujours en Camargue. Je crois que je me suis raté sur ce coup-là encore. J'y étais presque. Ça veut rien dire ce qu'il y a toujours lieu. Pour ma part, je vais tenter de tester une paire de chaussures outdoor de chez Adidas. Il s'agit de la... C'est la quoi, au fond ? La Terex Fast. Voilà. Grégory, le dis mieux que moi. La dedans, fraîche sans eau, c'est délicieux. Ce que nous voulons, c'est du poisson fort bien goûteux. Je crois qu'on peut dire que c'est... que je suis complètement mal exposé quoi. Je suis blanc comme un cachet d'aspirine dans cet écran. Putain. Oh. Oh. Ouais, il déchante. Quoi? Non, ça. J'entends rien. Ça va, mais là j'ai retrouvé des couleurs, dis donc. Putain, qu'est-ce que j'étais... Là, vous m'auriez vu le plan précédent quoi. Je ressemblais à un zombie. Comme quoi l'exposition, c'est mieux que le bronzage, il suffit d'appuyer sur un bouton et on retrouve des couleurs. Magique. Et voilà, on est arrivé. Voilà.
Alors avant de partir, je vous indique que vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur cette randonnée ainsi que sur le ski de randonnée nordique sur le site internet www.davidgenestal.com rubrique carnet de rando. Je vous... Voilà alors cette randonnée sur le... Voilà. Voilà alors cette randonnée dans le Vercors. Putain Régis. Voilà cette randonnée sur... Peut-être la verre tout seul. Ouais, c'est pas que j'ai rien là. Voilà, c'est la fin de ce reportage à la plage de l'Espiguette. Tout de suite, je vous invite en deux clics de souris à partir. Ah, c'est moustique, bordel. Qui sont recouvertes de salicornes de manière prioritaire. La salicorne est prioritaire sur le reste. Veuillez mettre votre clignotant, s'il vous plaît. Allez, à mon commandement, à l'assaut, on y va, on charge, on charge à terre. À terre, abattez-moi toutes ces saloperies de moustiques, ah ah. Ah, j'ai touché. Voilà, bon après, bon, sinon, il est toi, pas cher. Hein. Ça va? Tu veux nous raconter ta vie? Ça se passe bien avec le trekking? Ouais, oui, trekking se passe bien. Le site évolue pas mal. On est en train de faire... Non, mais c'était une blague, on s'en fout. Moi, c'est vrai, on s'en fout du trekking. Ouais. Non, mais t'as raison. Ouais. Je pense qu'il y a des choses plus importantes. Sauvez trekking. Ouais. Sauvez trekking. Et après vous penserez. Abonnez-vous. Après vous penserez à l'Iran. Après vous penserez à Israël. Après vous penserez au chômage. Ouais, mais pensez d'abord à sauver trekking. C'est hallucinant. Je me croirais débarqué sur Tatooine. Où est Luke Skywalker? Où sont les hommes des sables, quoi? Voilà, j'ai envie de dire. Où se trouve le départ de la course de Pod? C'est Bulba. Bah c'est vrai là. Bon, faut que j'arrête avec les films là à chaque fois là. Hier c'était le Seigneur des Anneaux, Star Wars. J'ai drogué au cinéma, drogué.